est parti à l'un. Oui. Mince. Peut-être pas pour régler tous nos problèmes, mais pour en régler une grande partie, est-ce qu'on est d'accord sur l'idée d'une priorité qui serait de... Oui, mais pas changer le système, c'est-à-dire d'imposer, de mettre dans ce que nous voulons une assemblée constituante sans professionnels de la politique. Il y a des gens qui ne veulent pas du pouvoir. On veut que dans la constituante, ce soit des gens qui renoncent d'abord au pouvoir pour le futur, mais qui ne sont pas des professionnels. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont... ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne? Ça va déjà très loin, et le Venezuela a démontré que même avec des professionnels de la politique, on peut quand même avoir quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qu'on a nous aujourd'hui en France, même si ce n'est pas encore de la démocratie réelle. Ils ont quand même, via des professionnels qui ont écrit cette constitution, même si elle a été votée... Parle pas ça, c'est eux qui l'ont écrite. Hein. C'est les citoyens qui l'ont écrit. Eh oui, c'est plein de citoyens, tous les villages en parlaient. Tiré au sort? Non, pas tiré au sort. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une alternative au tirage au sort. Il y a quelqu'un sur mon site qui défend ardemment, qui dit, mais avec une assemblée tirée au sort, tu vas avoir une poignée de gens qui vont écrire la constitution à ma place. Or moi, dit-il, je veux écrire la constitution. Et je m'entends ça. C'est une autre façon d'écrire la constitution, de façon désintéressée, sans professionnel de la politique, que de faire une assemblée constituante dans chaque commune. Alors, il y a une controverse, hein, c'est intéressant, mais je lui dis, mais attends, tu vas avoir 360 000 constitutions. Quand tu vois le temps qu'il faut pour lire une constitution et puis comprendre les rouages, ça va être compliqué. Il me dit, oui, ça va faire du boulot, mais on ne va pas faire ça comme ça. On va avoir peut-être un organe central qui va servir de chef d'orchestre et qui va envoyer aux communes des propositions, des alternatives. Si on trouve parmi ces alternatives quelque chose qui nous va, on ne va pas faire un truc différent, et ça va permettre de rapprocher les points de vue beaucoup plus rapidement que si chacun partait dans tous les sens. Et puis si dans une commune on a une idée géniale, par exemple, on veut un référendum d'initiative populaire, non pas déclenché par 1% des gens, mais déclenché par une personne. Personne n'y avait jamais pensé. Pour l'instant, dans toutes les communes, ils ont décidé que le référendum d'initiative populaire, il fallait être 100 000 ou 200 000 pour le déclencher. Et là, il y a un gars qui dit, mais il est tout seul dans une commune, et il dit, non, écoutez, on pourrait faire un référendum d'initiative populaire avec une personne qui le déclenche. Ah, mais tu vas en déclencher, tu vas avoir trop de référendums. Non, parce que c'est pas tout. C'est une personne qui le déclenche, mais il y a une chambre du référendum qui est tirée au sort et qui écoute tous les citoyens. Son boulot, c'est d'écouter. Donc chaque citoyen qui a une bonne idée de référendum, cette chambre des tirs au sort, son boulot, c'est de l'écouter pendant 2 heures, ou de l'écouter pendant une demi-heure. Et puis au bout d'une demi-heure, si elle trouve ça intéressant, la chambre, elle dit, vous avez encore une demi-heure, continuez parce qu'on a des questions à vous poser. Et puis si c'est intéressant, bah, encore une heure, et puis encore une heure. Autant de temps que l'Assemblée, elle décide de l'écouter, autant de temps que ça lui plaît pour trouver le sujet intéressant. Et les sujets intéressants, la chambre, elle dit, bon, ben, ce sujet est intéressant. On vote entre nous à la Chambre, et on dit, bon, ok, on le prend, et on le met à la fête du référendum. Et finalement, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'une idée simple, une idée qu'une personne aura pu avoir, elle le fera remonter, et après ça, l'Assemblée constituante centrale, elle le fera redescendre vers les autres communes pour voir ce qu'ils en pensent. C'est possible quand même ce truc-là, et sans tirage au sort. Et c'est un peu ce qui s'est passé au Venezuela. Un peu, parce que ça n'est pas passé de façon aussi structurée, et le peuple n'avait pas autant... Il avait voix au chapitre. Ils ont pu faire des cahiers de doléances et dire ce qu'ils voulaient, et à tel point que les Vénézuéliens connaissent très bien leur constitution. Ils apprennent à lire, le premier texte qu'ils apprennent à lire, c'est la constitution. Et ils n'ont avec eux, c'est un tout petit texte, un truc qui peut se tenir dans la poche. Donc c'est exemplaire, je trouve, d'une certaine façon. Alors pas sur tout, hein, parce que les seuils de déclenchement du référendum d'initiative populaire sont très hauts, ils sont à 20%. On a dit, c'est beaucoup trop ça. Mais ça, c'est normal. Hein. Enfin, moi, je comprends tout à fait. Ça discute. C'est de la même manière que je pense que les communes comme Marina Leda, que vous pouvez connaître, j'imagine. Oui, bien sûr, Marina Leda, il faut connaître. Hein, c'est un... Ils ne vont sûrement pas survivre longtemps au milieu d'un système. Oh, ça fait 36 ans que ça dure. Pas un temps, mais enfin, j'imagine que ça ne durera pas. C'est discutable parce que c'est du vrai communisme. Enfin, mais ils le veulent. Ils le font parce qu'ils le veulent. Oui, tout à fait. Donc c'est bien ça. Chavez est quand même arrivé au pouvoir par les urnes. Oui, ben, pour un Chavez, combien de centaines de Sarkozy, quoi, hein. Enfin, bien sûr. Mais pour un sujet endémique, une question révolutionnaire, on voit bien qu'en France, on n'est pas prêt d'arriver à ce genre de révolution. C'est difficile de croire que, en tout cas, la vraie démocratie pourra arriver par les rues. Moi, j'ai du mal à le croire aujourd'hui quand on voit le système dans lequel on est, sachant que les révolutions aujourd'hui, on n'est plus comme il y a 200 ans. Hein. Enfin, les forces de l'ordre en face de nous sont plus les mêmes qu'il y a 200 ans. Et puis, aujourd'hui, voilà, si tu crois que c'est proche, ça ne t'inquiète pas. Donc, j'ai du mal à croire. Et quand je vois des visuels, par contre, ça
ça me donne de l'espoir, parce que je vois quand même que par les urnes, ils ont réussi à faire des constitutions qui les protègent quand même beaucoup mieux que ce qu'on a nous aujourd'hui. Et je voulais juste amener dans le débat la réflexion d'une jeune fille qui est partie avant, mais qui rejoignait un peu le concept de dualité entre les civils et les citoyens, tout ça, qui disait que, et vous l'amenez très bien d'ailleurs quand vous parlez des assemblées qui ressortent au Mali, ou ce genre de. Où la compétence n'est pas vraiment à mettre en cause. Hein. Mais parce qu'ils sont aussi alimentés par le débat public. On est d'accord, il y a aussi les médias qui. Et cette jeune fille disait que, en pensant aussi au revenu de base, cette question que vous me posez, si en tant que prof d'économie, si vous aviez des. Bon, après ça sort de la démocratie, quoi que. En gros, elle disait que chaque citoyen, de par sa présence dans la société, et c'est en ça que ça rejoint le revenu de base, participe au débat de cette société. C'est-à-dire que c'est très catégorique quand même de dire qu'il y a des gens qui s'occupent de la politique, qui s'y intéressent, et des gens qui ne s'y intéressent pas. Il y a des gens qui s'y intéressent un petit peu, puis d'autres plus que d'autres. Oui. Mais dans ce débat public qui est alimenté par des médias indépendants, si on arrive à reprendre le contrôle de nos politiques, dans ce débat public, ils sont aussi importants que des gens qui s'y intéressent vraiment, qui vont participer. Oui. Oui, absolument. Et d'ailleurs, le revenu de base, c'est pas du tout dissocié de la réflexion sur la démocratie. C'est même très, très, très important. C'est pas pour amener le débat dans l'économie, parce que c'est... Non, mais on peut en dire juste un mot. C'est-à-dire que le revenu de base... Alors, il y a plusieurs versions, hein, et qui ont des nuances qui sont intéressantes à connaître. Je vous invite à travailler sur le revenu de base, le revenu universel, le dividende universel, le salaire à vie... Le salaire à vie de... Friot. Au passage, son bouquin « L'enjeu des salaires » vient de sortir. Il avait écrit « L'enjeu des retraites », qui est un bouquin formidable. Il faut écouter, si vous avez la flemme de lire le bouquin, il faut écouter les conférences de Friot sur « L'enjeu des retraites ». C'est enthousiasmant. Je connais pas d'idée plus sur le plan économique. Pourtant, sur la monnaie, j'en connais quelques-uns qui sont décapants, mais plus révolutionnaires que Friot. Et ça marche, hein, c'est les retraites. C'est pas du tout une utopie, c'est quelque chose qui existe déjà. Les retraites, ça marche déjà très bien. Et le financement par répartition, ça pourrait s'appliquer au salaire, ça pourrait s'appliquer à l'investissement. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Donc, il faut connaître ça. Et ce qu'il explique là-dessus, c'est justement l'enjeu du salaire. Donc, il faut... J'ai à peine commencé à lire, je l'ai reçu il y a moins entière. Mais c'est un très bon livre. Donc, lui, il est pour le salaire à vie, qui le différencie du revenu, parce que le mot revenu, pour lui, est un mot... négatif. Donc, peu importe, parce qu'en fait, pour quelqu'un qui a un peu du recul sur ces techniques-là, l'important, c'est de reprendre un tel contrôle de la création monétaire qu'on puisse délivrer à chaque citoyen la possibilité de vivre sans travailler. Et sans condition. Et sans condition, et à vie. Et ce n'est pas irréaliste. Là, le travail de Friot est très très important. Regardez, ça existe déjà. Ouais, mais attendez, ça existe déjà. Ce sont les retraites. Ouais. Et les fonctionnaires. Ouais, les primes. Et les fonctionnaires. En Namibie, c'est... Oui, mais vous avez ça sous vos yeux. Ouais. Et les fonctionnaires travaillent. Pourtant, le fonctionnaire, s'il ne travaille pas, il est payé quand même. Et pourtant, il travaille. Il y a un truc. Et pourquoi il travaille? Et les retraités, c'est pareil. Les retraités, demandez-leur, vous en connaissez les retraités, demandez-leur, ils n'ont jamais autant travaillé de leur vie. Par répartition. Avec la retraite, par répartition. Non, mais enfin, avec le salaire. La répartition, la retraite, quand je fais en mettant de l'argent. Oui, mais c'est pas grave, même ceux qui ont des retraites par capitalisation travaillent. De retraite par répartition. Non, mais d'accord, mais ce que je vous dis, c'est que les gens qui sont débarrassés du travail, travaillent. Débarrassés de l'emploi, dirait Friot. Continuent à travailler. Les humains sont pas du tout des... Il y en a quelques-uns qui sont oisifs. Ok, il y en a quelques-uns qui sont oisifs. Et Friot dit, mais je préfère qu'ils soient oisifs plutôt qu'ils fassent ingénieur financier ou fabricant de bombes atomiques. Je préfère qu'ils soient oisifs. Qu'il aille jouer à la pétanque, je m'en fous, j'ai pas besoin qu'ils travaillent. On travaille déjà trop. C'est exceptionnel, le travail de Friot est exceptionnel. Je vous conseille de l'intégrer dans vos analyses. On n'a pas besoin de tant travailler. On n'a pas du tout besoin que tout le monde travaille. J'ai oublié de prendre la grande relève. Il y a un livre que j'ai scanné. J'ai scanné la moitié de mes livres. J'ai déjà scanné plus de 1000 livres. Mais il y en a un que j'ai scanné qui est la grande relève de Jacques Dubois. Qui explique, il y a des formules merveilleuses, alors c'était entre deux guerres, il dit c'est incroyable, enfin, le travail c'est une malédiction,
Et quand il y en a qui enfin sont au chômage, enfin ils reviennent du front, ils sont libérés, on n'a qu'une chose, on les repousse, on les renvoie au front. Putain, ils sont libérés. Le chômage n'est un problème que parce qu'il n'est pas généralisé. Oui, une objection béton. Béton. Alors, imaginons qu'on arrive. On sait plus ou moins tous ce qui va advenir si le peuple reprend le pouvoir. C'est-à-dire, on va abolir l'obsolescence programmée de tout ce qu'on achète, et qui se jette au bout d'un an, on sait tous. On va abolir la dette odieuse qu'on a accumulée pendant 50 ans, 40 ans. On va se prendre l'Empire sur la gueule. Et à ce moment-là, on va avoir les Anglo-Saxons et les Chinois qui veulent en faire partie, nous foutre sur la gueule parce qu'on va vouloir s'émanciper de l'emprise esclavagiste de cette matrice. C'est ce que je voulais dire en parlant de Venezuela. Parce que le Venezuela, il va prendre l'Empire et l'Anglo-Saxon. Ben, c'était ça, c'est ce que je voulais dire en parlant de Venezuela. Alors, moins de Marina Leda, c'est pas vrai, parce qu'ils sont là depuis 6 ans, puis bon, le Venezuela aussi depuis 12 ans. Mais s'ils sont tranquilles depuis 10 ans, le Venezuela, parce qu'ils ont quand même subi un coup d'État en 2002, on a tous compris pourquoi ils voulaient, façon d'achever, et remettre la bourgeoisie au pouvoir, etc. Je pense que s'ils sont tranquilles depuis 10 ans, c'est parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter en ce moment. Exactement. Hein. Et donc, dès qu'ils auront fini de faire la guerre, ils vont partir sur le chômage. Alors, j'ai une réponse à ça. Pourtant, elle est redoutable, cette objection. L'objection, vous l'avez entendu, c'est dès qu'un peuple va s'insurger, même si c'est tout un État, il va prendre toutes les oligarchies environnantes, qui sont les Versaillais à l'échelle d'au-dessus, quoi. Il va prendre le pays, il va prendre les Versaillais d'autour, les oligarchies d'autour sur la figure, sous forme de guerre avec un niveau technologique qui est effectivement pétoche. Alors, c'est pour ça que, moi, il me semble, hein, l'analyse que je fais de cette objection, qui est une vraie objection, c'est que votre objection, elle met en avant l'impossibilité du rapport de force dont je parlais tout à l'heure. Et j'en ai bien conscience de ça. C'est-à-dire que je vois qu'ils ont tout et partout dans le monde. Ils ont les 1%. Ils ont l'argent, les politiciens, l'industrie, l'économie, les médias, la culture, la doxa, les économistes. Laisse tomber, quoi. Hein. Laisse tomber. Le rapport de force, il n'y a aucune chance. Je propose la maladie. Je propose de coller une maladie au monstre. Vous le connaissez, la grippe, parce que vous avez un monstre, un énorme diplodocus. Il attrape la grippe, il est mort. Enfin, il est malade, il attrape une maladie. Il était énorme, il était invulnérable. Mais si vous avez trouvé la maladie, il devient tout faible, tout gneu, il est tout patraque, il s'endort. On peut coller la maladie à l'oligarchie. L'oligarchie, elle est devenue toute puissante, elle est devenue triomphante, elle est devenue... plus que menaçante, là c'est terrifiant en ce moment. Hein. Avec, ça a 200 ans le truc. Hein. Avant c'était pas aussi pire, je vais le voir. Avant c'était pas aussi grave. Avant 1789, avant le gouvernement représentatif, avant l'élection, qui est comme un booster de l'horreur. Moi je dis, plutôt que le rapport de force, collons une maladie au monstre oligarchique, en repérant ce qui le booste, ce qui le rend invulnérable, c'est le fait que nous défendons comme une vache sacrée, nous les victimes, les milliards de victimes, parce qu'ils nous ont mis les mots à l'envers, ils ont dit ça c'est la démocratie, ça c'est le suffrage universel, t'es content, tu es citoyen. Tous ces mots sont à l'envers, je ne suis pas citoyen, je suis électeur. Je ne suis pas autonome, je suis hétéronome, je subis la loi de maître. Je ne suis pas en démocratie, je suis en oligarchie. Ils ont mis tous les mots à l'envers et nous défendons comme une vache sacrée en disant ah, tiens, celui qui défend pas le suffrage universel, c'est un fasciste. Non. Là, c'est vraiment la sélection naturelle. Hein. Si on est trop bête, on va y passer quoi. Hein. Si nous défendons comme une vache sacrée l'outil central, le booster de nos pires ennemis, c'est ce qui permet à Goldman Sachs de prendre le contrôle d'Obama et de l'Amérique. C'est le suffrage universel. C'est la campagne électorale qui a coûté 750 millions à Obama, la dernière. La prochaine lui coûtera 1 milliard. Qui va payer le milliard? Les petits groupies qui mettent 1 dollar chacun, c'est pas vrai. Ne croyez pas ça, c'est un bobard.
C'est Goldman Sachs qui paye, Goldman Sachs et les industriels, qui payent Obama, qui contrôlent. C'est le suffrage universel, on pouvait y croire il y a 200 ans, mais là, ça fait, on a 200 ans de data, 200 ans de données. Putain, 200 ans à ne pas tenir ses promesses, on va continuer. Je récapitule pour faire simple. 200 ans de tirage au sort, les 1% dirigent jamais. 200 ans de tirage au sort atteignent, les 1% dirigent jamais. Les 99%, les pauvres dirigent toujours. Ok ? 200 ans de gouvernement représentatif, 200 ans de gouvernement représentatif, de fausse démocratie, faux suffrage universel, de faux citoyens, rien, rien. 200 ans, les riches, les 1% dirigent toujours. Les pauvres, 99%, ne dirigent jamais, jamais. Et au point qu'on est en train de nous faire des guerres nucléaires qui se préparent, des guerres insensées, des milliards de morts, un milliard. Oh, ça suffit, quoi. Alors, attends, juste une conclusion. Le tirage au sort donne le pouvoir aux 99%, toujours. L'élection donne le pouvoir aux 1%, toujours. À une exception près, de temps en temps, le temps de lui mettre la pâtée avec la guerre. Combien de temps les 99% vont-ils défendre l'élection? C'est ma question. Parce que, je veux dire, la solution, elle n'est pas dans les autres, là, elle est en nous. C'est pas la faute des pouvoirs, c'est pas la faute des pouvoirs quand ils abusent. Le pouvoir, il est comme un objet, mu par une force qui est plus forte que lui. Lui, il va tomber parce qu'il y a une force qui est la gravitation, jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Et à la limite, il s'arrête. Et bien les pouvoirs, c'est pareil. Un pouvoir va jusqu'au bout de son pouvoir. Montesquieu. C'est pas la peine d'en vouloir à Sarkozy. Sarkozy, il va jusqu'au bout, il va vous plumer, il va nous plumer tous jusqu'au trognon, jusqu'à ce qu'on mette une limite. Et si on met pas de limite, on finira en camp de travail. Comme Guy Farben, cartel de la chimie, qui faisait travailler les déportés dans les camps d'Auschwitz. À Auschwitz, les capitalistes, là, ceux qui sont les capitaines d'industrie, les compétents, ceux qui sont aptes et responsables, c'est pas comme nous les gueux, hein, les responsables, il faisait travailler les déportés qui arrivaient par train, on leur donnait pas à manger, on leur donnait pas de salaire, c'était parfait, c'était l'idéal du capitalisme. Mais pourquoi c'était le... Sarkozy. Hein ? C'était toujours le nom de Sarkozy. Mais Sarkozy, parce que c'est notre président, non, mais c'est partout pareil, hein. Je prends Sarkozy... Non, mais Sarkozy n'est pas pire que les autres, c'est pareil, hein, c'est le même. Hein. Je dis le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Donc ce qui est très important, c'est qui fixe les limites? Ça devrait être nous. Quelle est la dernière fois où vous avez fixé une limite au pouvoir? Quelle est la dernière fois où vous avez réfléchi aux articles de constitution qui devraient être dans notre constitution pour que nous ayons une puissance politique et qui n'y sont pas? Des articles qui ne sont pas dans la Constitution et qui fabriquent donc, par leur absence, notre impuissance politique. Quelle est la dernière fois où vous, où nous avons pensé, puis exigé, voulu exiger un article de Constitution? Jamais, tout le monde s'en fout. Je prétends, et ça c'est Schwardesque, je voudrais que ce ne soit pas que Schwardesque, je voudrais que ce soit citoyenneste, c'est-à-dire qu'on soit comme des larves que sont les électeurs qui se transforment en papillons, qui se métamorphosent et qui se transforment et qui se mettent à devenir, à vouloir être autonomes et enfin mettre des limites à nos parents que sont les élus. Les parents. Je vous interromps un petit instant. Petit par ici. Oui, le souci pour arriver à ça, pour que le virus se répande, c'est de communiquer, on est d'accord. Là, les conférences, c'est super. Dans un bar, on communique aussi, on communique à l'extérieur. Par contre, les médias, ils nous apparaissent. On n'y a pas accès du tout. Ils sont, on ne va pas débattre de leur indépendance, mais elle est quand même douteuse. Avec Internet, on n'a pas besoin. Oui, c'est là où je voulais en venir. Par contre, ça ne va pas durer. Il y a une loi qui est en train de passer au niveau européen qui s'appelle ACTA, qui veut lutter contre la contrefaçon. Ça apparaît, là. Ils sont en train de renoncer là. On a fait tellement de Bronx. Non. Ils ont renvoyé ça pour examen à un conseil qui rendra un avis et qui ne porte pas sur les bons articles. Donc, il faut rester léger en fait. Si le réseau n'est plus neutre, on est foutu. Ce qui se passerait, restons dans l'hypothétique, c'est que le citoyen sera plus responsable de ce qu'il publie. L'électeur. Ce serait le fournisseur d'accès. Si le fournisseur d'accès est responsable de ce qui est hébergé, c'est affreux. C'est déjà le cas.
il ne va pas prendre de risque. Internet Internet, moi, j'ai vu sur Internet qu'il y a la semaine dernière qui oblige tout ce que vous dites, les fournisseurs d'accès, à garder nos données personnelles pendant au moins un mois. Tout à fait, mais oui, c'est un peu très logique. Par contre, ils ne sont pas encore responsables de ce qu'on publie dessus. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, l'URSSAF, mais ça va venir. Peut aller nous contrôler et même aller voir sur notre... Bien sûr. Oui, c'est un autre débat, mais c'est la neutralité du réseau. Oui, c'est ACTA. Et ça, c'est le média qui nous a permis, je pense pour plusieurs quand même, d'être ici ce soir. C'est quand même pas rien. Voilà. Pour moi, c'est un non-sens parce que on parle d'Internet, il suffit d'aller voir sur YouTube les vidéos les plus consultées. Je veux dire, ça ne va pas chercher très loin au niveau intellectuel. Donc, neutralité ou pas, je veux dire, quelle voix de plus que tous les milliers de Grecs qui sont dans la rue? Qu'est-ce que vous voulez de plus fort comme voix? Les Grecs, on ne les entend pas. Alexandre dit sur YouTube, il n'y a quasiment que des couillonnades. On dit ça dans le midi. Hein. Sur YouTube, on trouve que des couillonnades et les choses sérieuses et utiles, elles sont très peu de choses et elles ne sont pas regardées. En même temps, Alexandre, ce qui donne de la pêche, c'est que l'exponentiel, pas facteur 10, facteur 2, ça double à chaque fois. Plaque, à chaque fois qu'on en parle, ça double. Tu sais, il y a l'image de la mare d'un petit étang. Et tu as le nénuphar qui double. Ça double toutes les heures. 2 heures avant d'être totalement plein, il est qu'à un quart. 3 heures, il est qu'à un huitième. 4 heures, il est... Et en fait, quand c'est au début, tu te dis, mais on n'y arrivera jamais. Mais quand c'est exponentiel... Les algos ne sont pas exponentiels. Ben, ça dépend de nous, ça dépend. C'est quoi ton prénom? Pierre-Louis. Regardez, ils font 80 000, et on regarde des vidéos qui ont 2 ans, elles faisaient déjà 80 000 des gens en petit système très regardés, c'est déjà beaucoup. Et la Grèce, moi j'avais plein d'espoir, ça n'a pas fait long feu. Hein. Enfin, je veux dire, plus médiatisé que ce qui se passe en Grèce, ils ont quand même nos idées à nous, de tous ceux qui sont dans la rue, grosso modo, et ça n'a rien donné. Donc au final, ils parlent pas du tout du processus constituant du tirage au sort de l'Assemblée constituante, pas du tout. Ils s'occupent pas de cette loi supérieure à laquelle obéit l'armée, la police, etc. C'est une petite loi qu'ils veulent faire changer, déjà ils n'y arrivent pas. Non mais c'est normal, ils s'en prennent aux conséquences. Oui, mais je suis désolé. Ça devrait être plus facile à changer. Mais non, pas du tout les conséquences. Mais non, pas du tout. Puis ça change rien surtout. Oui, ça change rien. Mais non, Pierre-Louis, j'insiste. Ce que je suggère, on ne peut pas dire que ça a déjà été essayé et que ça a marché, c'est pas vrai. On n'a jamais trouvé une idée qui nous fédère entre les gens dits de gauche, les gens dits de droite, les gens dits de centre. On n'a jamais trouvé ça pour l'instant. On n'arrive pas, on se divise. Et eux, en face, ils sont très unis. Hein. Ils ont une conscience de classe qui est... Il faut écouter ce que dit Soros. Hein. Soros dit, oui, mais évidemment qu'il y a une guerre des classes. C'est pas Soros. C'est Warren Buffett. Mais évidemment qu'il y a une lutte des classes. Il y a même une guerre des classes. Et c'est ma classe, des riches, des ultra-riches, qui la mène et qui la gagne. Donc eux, malheureusement, parce qu'il est... Mais ils en sont conscients, ils savent très bien qu'il y a une conscience de classe. Mais, si tu veux, je sais bien que ça ne marchera peut-être pas, mais j'ai rien de mieux, quoi. Tout le monde attend apparemment quelque chose. Donc là, il y a une conséquence. Il y a une conséquence qui est importante, qui est en train de se produire maintenant. C'est que on arrive au pic de production du pétrole, ce qui va être un choc énorme pour nos sociétés. Nos hommes politiques, notre système politique n'en tient pas compte. Ce qui est complètement, donc ce qui est d'une côté conséquence inadmissible de ce système politique. Il y a un groupe très fort qui est en train de se monter, qui monte à une tribune qui va passer dans le monde, avec des gens derrière, des mouvements, des associations, etc. Et il y a une grosse volonté derrière de t'imposer, de montrer l'absurdité de cette politique qui est complètement à côté de la plaque, qui ne voit pas le pic de production du pétrole qui est annoncé depuis des années.
C'est une catastrophe écologique épouvantable. Mais c'est une conséquence, ça. C'est une conséquence. Mais là-dessus, on va essayer de cristalliser du monde. Il y a des ingénieurs, des gens remplacés qui vont essayer de faire très très mal. Voilà. Donc ça, vous pouvez suivre. Ça va cartonner. Voilà. Voilà. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Il y a un truc qui va être décisif dans notre réflexion. C'est que quand on se quitte, vous fassiez quelque chose ou pas. Si vous vous contentez de rentrer chez vous en disant « Oh, c'est intéressant ce Wojnow qui raconte que là, c'est marrant, c'est bien. » C'est cuit. Et je pense que c'est mal barré là en ce moment. Si vous essayez, je ne sais pas si vous y arriverez, mais si vous essayez d'en convaincre quelques-uns à votre tour en disant « Ne serait-ce que pour voir, est-ce que c'est dur ?» Et vous allez vous faire rembarrer, ça va être difficile au début, vous allez vous dire « j'y arrive pas ». Mais insistez. Moi, au début, je ne me suis pas désintoxiqué tout de suite. Un tirage au sort, quand j'ai commencé à lire sur ce truc-là, je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Et puis en lisant, je me suis dit « c'est pas si bête ». Et puis finalement, c'est après, on apprivoise l'idée, on se désintoxique petit à petit de la fausse démocratie, faux citoyen, faux suffrage universel. Et on se dit « mais non, ok, c'est ça qu'il nous faut en fait, il nous faut la vraie démocratie, le vrai suffrage universel, il faudrait qu'on soit des citoyens autonomes et que nous récupérions la puissance politique qui nous permet d'imposer la justice sociale. » Mais comment on va virer? Comment? Alors voilà, et donc la réponse, ah oui, parce que je n'avais pas répondu aux oligarchies extérieures au pays. Les vidéos là, que j'ai faites l'année dernière puis cette année, elles commencent à être traduites, parce que en allemand, en anglais, en espagnol, avec l'anglais et l'espagnol, c'est incroyable parce que ça booste le truc. Parce que l'idée, c'est que comme un rhizome sous terre, nous passerions le mot entre nous en disant « Ok, en plus de tout ce que j'ai compris que la prochaine assemblée constituante, il faudra que je me batte pour qu'elle ne soit pas composée de professionnels de la politique. Et je me passe le mot, je passe le mot, et on ne peut pas savoir combien on est. » Parce qu'on fait ça plus discrètement que là. Et on se passe le monde, mais partout dans le monde. Et puis il y a un jour, je ne peux pas savoir quand, je ne sais pas quand, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas parce que je ne sais pas quand que ça n'arrivera pas. Et un jour, c'est le printemps, ça se met à germer partout. Et à ce moment-là, ce n'est pas un seul pays tout seul qui va se mettre à devenir puissant et autonome parce qu'il se met à écrire enfin une constitution qui lui donne le droit de résister aux injustices. C'est plusieurs pays. Et plusieurs pays, bah ça devrait marcher. Ça a plus de chances de marcher que simplement gagner une élection dans un pays. Il faut que ce soit ça si on veut se parer de l'empire mondialiste qui est là. Il faut déjà qu'il soit au moins européen, au moins qu'il nous voisine, qu'il nous rejoigne, et puis qu'on a Mais par contre, on n'a toujours pas le fond du truc qui est comment on passe de la solution virale à l'application de. Vous dites, une fois qu'on va avoir un pays, changer sa constitution. Ah, je ne sais pas comment ça se fera, je ne sais pas quel est votre prénom, mais réfléchissons-y, hein, parce qu'on va peut-être trouver un déclencheur, une espèce de mot de passe, un code qui dit c'est le moment, on se lève, je ne sais pas. C'est important, vous savez, il y a quelque chose, c'est important que ce soit relativement invisible. Parce que là, ils prennent les noms hein, de tous les résistants. Et ils font ça, je vous dis ça, c'est pas de la paranoïa. Hein. Toutes les guerres, ça commence par les rafles, où tous les résistants du moment les font en prison, les communistes, les syndicalistes, les anarchistes, en prison. Vous vous retrouvez avec un corps social qui est dévasté de tous ces résistants. C'est-à-dire qu'il faut trouver des ressources résistantes parmi tous ceux qui n'étaient pas résistants avant. Et donc, si on arrive à répandre ce mot-là plutôt discretos, on se donne l'effort de résister, il va y avoir des plantes qui auront des graines qui auront germé, enfin qui seront prêtes à germer en dehors des rafles. Mais discretos via Internet, c'est raté, oui, dans les fonds de soir, dans les salons, entre nous.
même s'il faut qu'Alexandre continue, fasse revenir ses invités et qu'on leur parle malgré qu'ils ne veuillent pas. Est-ce qu'on ne peut pas compter sur des conversions au sein du système? Peut-être, oui, bien sûr, ça serait génial. Si on arrivait à avoir des élus ou des gens puissants qui aient une conscience, quoi, hein, ça existe quand même. Hein, et qui, mais, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, hein, à l'Assemblée nationale, il y a des gens mais bien qui sûr. Pensent ça. C'est-à-dire que tous les gens comme vous qui faites des conférences et tout, quand ils parlent, qui rencontrent les élus disent ce que vous dites. Ce que vous dites ? Oui, ce que vous dites. Il y a des élus qui le disent. Mais simplement, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils perdent leur métier. Ils sont virés de l'UMP, ils sont virés du PS, leur carrière est finie. Et il y en a des gens comme ça. Ah ouais, ah oui, le dit. Je voudrais vous remercier d'avoir participé. On va arrêter là. Je vous invite à voir juste pour côté. Je vais dire un petit mot. Hein, parce qu'on ne peut pas continuer. Moi, je suis étudiant, j'ai accès à ce bouquin en plusieurs exemplaires dans deux bibliothèques. S'il y a des gens qui veulent me le lire, je peux le prêter. C'est une bonne idée, ça, de se servir des bibliothèques pour le photocopier. Moi, je l'ai scanné, digitalisé, donc si vous m'écrivez, je vais le redire. On pourrait. C'est quoi votre prénom ? Juliette. Juliette suggère de le photocopier, le Bernard Manin, et de le coller sur les murs, dans le métro, dans les bus, dans les... Non, mais il y a des passages qui sont gratinés, des passages formidables, c'est super. Le principe du gouvernement représentatif, ça va vous remuer, ça va vous transformer, ça va vous changer. C'est un gars qui fait un bilan à l'aide entre l'élection et le tirage au sort. Mais comme on n'a jamais entendu parler du tirage au sort, c'est comme un plaidoyer vibrant, extraordinaire, hein, avec une biblio qui ensuite va vous amener à lire Hansen, Finlay, des grands bons hommes qui aiment les institutions athéniennes. Et c'était super ce soir, hein. C'était très très tonique, c'était vachement bien. Étienne, une question, est-ce que... Si vous voulez un petit moment, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté, il y a un petit peu à boire et à manger, et vous retrouvez sur le site. Intéressé pour qu'on reste en contact, qu'on se voit, je sais pas, une fois par mois. Alors, on a pris beaucoup de mails de plein de gens, parce que quand vous êtes venus, on vous a inscrit. Tous ceux qui ont laissé des mails, on les a. Donc, on peut très bien lancer des choses. Moi, s'il y en a des qui veulent revenir à la MJC de temps en temps, nous rencontrer, on peut remettre en place des débats de ce type et des choses comme ça. Hein? Moi, je suis assez... Vous pouvez aussi, bien sûr, continuer sur le forum. Hein. Vous tapez Chouard sur Google, C-H-O-U-A-R-D. Vous arrivez sur le site, et puis il y a un lien pour aller vers le forum, vers le wiki, vers le blog. Hier matin, j'ai mis une idée. Avant de partir, avant de venir ici, il y avait déjà 400 commentaires. 400 commentaires, c'est inhumain, quoi. Hein. C'est vachement cool. Mais intéressant avec les gens qui ne sont pas d'accord du tout. Des commentaires, par contre. Il y en a qui craignent, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord du tout. Il n'y a rien de mieux pour sentir l'état d'une société, savoir. Merci beaucoup à vous de votre.